Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième halte de Carême. Nous allons poursuivre notre parcours du credo. Après avoir contemplé Dieu, le Père créateur et le mystère de la Sainte Trinité, maintenant nous allons nous tourner vers Jésus en contemplant d'abord ce mystère de l'incarnation, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et puis ensuite nous verrons la prochaine fois comment Jésus est celui qui nous sauve. Alors commençons par nous mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, toi qui es l'Esprit du Père et du Fils, donne-nous d'entrer dans ce grand mystère de Dieu. Donne-nous de mieux connaître Jésus. Donne-nous de mieux l'aimer. Sainte Vierge Marie, toi qui nous as donné Jésus, conduis-nous à sa découverte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ce mystère de l'incarnation, c'est quelque chose qui nous est révélé dans la Bible, évidemment, et synthétisé dans le credo. Nous disons ainsi que Jésus est né du Père avant tous les siècles, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Alors de même nature que le Père, vous savez que maintenant on préfère dire consubstantiel. Hein, voilà. Alors à travers ces phrases, en fait, ce sont des phrases qui ont été ajoutées à ce que sans doute les premiers chrétiens disaient déjà quand ils étaient baptisés. Quand on est baptisé, on professe sa foi. Et au concile de Nicée, en 325, on a voulu rajouter cela pour souligner que Jésus est vraiment Dieu. Hein? Jésus est vraiment Dieu. Alors, vous voyez, il est Dieu né du vrai Dieu, mais on rajoute encore d'autres choses. Engendré, non pas créé. Engendré, non pas créé, oui, c'est important de dire que Jésus n'est pas une créature. Parce que, vous voyez, surtout à l'époque antique, des dieux, il y en avait un bon paquet, il y avait des hiérarchies entre les dieux, il y avait des demi-dieux, il y avait des super-héros. Voilà, donc juste dire que Jésus est Dieu, ça pouvait être compris de façon très différente. Même fils de Dieu, ça pouvait être compris de façon très différente. Alors on a voulu ajouter toutes ces précisions pour bien dire que Jésus est vraiment l'égal du Père. Et en fait, ce texte de Nicée, en 325, est assez original parce que il y a un mot qui est ajouté là, qui n'est pas dans la Bible, qui est le mot justement consubstantiel, homo ousios en grec, pour dire vraiment qu'il partage la divinité du Père. On a voulu trouver un mot, même inventer un mot spécifique pour dire cette réalité qui nous dépasse complètement, que Jésus n'est pas simplement un homme, mais qu'il est vraiment Dieu. Alors, le fait que Jésus soit Dieu, qu'il ne soit pas une créature, que ce soit le Verbe de toute éternité, hein, ça, cela est bien affirmé dans la Bible. Déjà la semaine dernière, je mentionnais quelques passages, je redis rapidement. Vous voyez par exemple en Jean chapitre 8, Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Et le « je suis », c'est en fait le nom divin révélé à Moïse dans le buisson ardent. Hein, ce nom de Yahvé, hein, qu'on évite de trop prononcer par respect pour le nom de Dieu, eh bien ça veut dire ça, « je suis celui qui suis ». On ne sait pas très bien comment le traduire d'ailleurs, hein, mais vous voyez, « je suis celui qui suis, je suis hein, ». Je suis celui qui existe. Et ça, c'est cela que s'attribue Jésus. Et puis d'autres passages, par exemple Jean chapitre 10, « moi et le Père, nous sommes un ». Moi et le Père, nous sommes un. Difficile d'affirmer plus fortement son égalité avec le Père. Et il continue toujours dans ce chapitre 10. « Vous me dites, tu blasphèmes parce que j'ai affirmé,
que je suis le Fils de Dieu. Jésus a affirmé qu'il est le Fils de Dieu. Encore un autre passage, et en Luc chapitre 5, quand on descend un paralysé par le toit, Jésus commence par dire « Tes péchés sont pardonnés » et les gens réfléchissent dans leur tête en disant « Mais quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Voilà, donc la Bible, vraiment, le Nouveau Testament affirme très clairement la divinité de Jésus. En même temps, il est aussi homme. Il est vrai Dieu et il est également vrai homme. Alors, il est vraiment homme, mais par contre, il n'a pas toujours été homme. Vous voyez, dans la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, il n'y a pas de commencement en Dieu. Le fait que le Verbe soit engendré par le Père, ce n'est pas un début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas un qui est avant l'autre. C'est de toute éternité qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans une égale dignité. Mais par contre, le Verbe de Dieu va entrer dans le cours du temps. Lui qui est en dehors du temps, Dieu est en dehors du temps, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe est en dehors du temps, bien il choisit d'entrer dans le cours du temps en assumant une nature humaine. Voilà. Donc ce qui fait que Jésus, on peut dire qu'il existe depuis toujours comme Dieu dans la Trinité, mais qu'il a commencé comme homme, eh bien, le jour de l'Annonciation, que nous fêtons le 25 mars, voilà. Voyez? Donc il y a ces deux choses qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, Jésus vraiment Dieu, vraiment homme, il va commencer à être homme, mais par contre, il ne va pas arrêter d'être homme. Vous voyez, Jésus est monté au ciel, il est monté au ciel le jour de l'Ascension avec son corps et son âme, toute son humanité. Il est au ciel avec son humanité. Jésus n'a pas cessé d'être homme. Au ciel, dans la Trinité, eh bien, il y a une humanité qui est celle de Jésus. Voilà. Donc le Verbe, vous voyez, il n'a pas toujours été homme, mais il a choisi de devenir homme et de le rester. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que, vous voyez, il nous ferait un chemin au sein de la Trinité. Grâce à Jésus, nous avons notre place en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne humaine, au cœur de la Trinité. Alors, l'humanité de Jésus, ses contemporains ne l'ont pas mise en doute, c'est parce que c'était une telle évidence qu'il était homme. Vous voyez, il a grandi comme enfant, quand il tombait, il devait pleurer. Enfin, vous voyez, il a vraiment vécu comme homme, il a mangé, il a souffert sa passion, il s'est réjoui. Et d'ailleurs, quand il commence à se montrer un peu comme le Messie, eh bien, notamment son village de Nazareth ne comprend pas. Vous voyez, je vous lis par exemple Matthieu 13. « Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue de telle façon que, frappé d'étonnement, il disait « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier ?» N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères, ses cousins, ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Voilà. Donc, vous voyez, là, l'humanité de Jésus, pour le coup, elle est assez évidente pour ses contemporains et aussi, du coup, pour la Bible. Alors, la grande question, c'est comment Jésus est à la fois Dieu et homme. Parce que mettre les deux ensemble, c'est pas si évident que ça. Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est un Cerbère à deux têtes, Jésus ? Est-ce que c'est une créature un peu bizarre ? Alors, voilà, comment on essaye de comprendre ça ? Déjà, juste avant de développer ce point-là, je reviens sur la divinité de Jésus, et en petit rappel avec la semaine dernière sur la Trinité, vous vous rappelez que la Trinité, la difficulté, c'est comment on a le Père Dieu, Jésus qui est Dieu, l'Esprit Saint qui est Dieu, et pourtant ça fait qu'un seul Dieu. Et vous rappelez que on a cherché différentes choses et qu'il y avait différentes hérésies, comme par exemple l'arianisme, où on disait que Jésus, il avait quelque chose de divin, mais c'était plus un super homme. Voilà. Et ça, en fait, ça a été très
très très présent dans les débuts de l'Église, et puis même ça a pu être repris, vous voyez, même pour des courants qui ont pu donner naissance à l'islam, hein. Voilà. Mais donc ça, ce n'est pas notre foi, ce n'est pas ce qui est dans la Bible, hein. Jésus est pleinement Dieu et il est autant Dieu que le Père et le Fils. Voilà, je referme cette petite parenthèse sur l'arianisme, hein, et c'est contre l'arianisme qu'a eu ce concile de Nicée en 325, dont nous redisons la profession de foi chaque dimanche. Alors, maintenant, donc, passons donc au point là que je mentionnais, comment Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors, on peut dire qu'en fait, c'est un peu le fonctionnement inverse de la Trinité. Dans la Trinité, il y a une nature divine, mais trois personnes distinctes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Jésus, c'est une personne divine, le Verbe, mais il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Vous voyez? Mais il y a quand même une asymétrie. Et autant dans la Trinité, tout le monde est égal et tout se répond parfaitement avec la même égalité, en Jésus, non, il y a une asymétrie parce que Jésus, c'est une personne divine, une personne de nature divine, qui va prendre une humanité, une nature humaine. Donc l'humanité de Jésus, c'est une vraie humanité, on va le voir juste après, mais c'est une humanité qui n'a pas toujours existé, je viens de le dire, et qui n'est pas en elle-même une personne. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus, c'est une personne divine. Jésus, c'est un Dieu qui s'est fait homme. Voilà. On n'a pas à la fois une personne humaine et une personne divine en Jésus. Vous voyez? Ça, c'était justement l'hérésie de Nestorius, que le concile d'Éphèse a voulu un peu traiter, hein. Donc Jésus, c'est pas un Cerbère à deux têtes, voyez, hein, c'est pas un être un peu étrange. Il y a deux natures en lui, c'est vrai, mais la nature humaine, en fait, elle n'existe que parce qu'elle est portée, assumée par la divinité, voyez. Hein. Peut-être un peu subtil ça, mais c'est important parce que vous voyez la conséquence très immédiate de ça. C'est que quand on dit que Jésus a souffert, qu'est-ce qui souffre en Jésus? C'est son humanité. Hein? Okay? Parce que Dieu est pur esprit, il n'a pas de corps, il n'a pas de sens, Dieu. Hein? Quand on parle de la main de Dieu ou de je ne sais pas trop quoi, ce sont des images. Donc quand Jésus souffre, c'est dans son humanité qu'il souffre. Hein? Quand il est triste, quand il est flagellé, c'est dans son humanité qu'il souffre. Eh bien, puisque l'humanité et la divinité de Jésus sont pleinement unies, sont inséparables, et que cette humanité, en fait, elle n'arrive à vivre, on pourrait dire, que parce qu'elle est assumée dans la personne du Verbe, eh bien, on peut dire que Dieu souffre, que Dieu a souffert. On peut même dire que Dieu est mort. Vous voyez? Hein, quand Nietzsche dit Dieu est mort, voilà. En fait, c'est notre foi chrétienne. Plus exactement, on va dire que un de la Trinité, hein, le Verbe, a souffert, et même qu'il est mort. Parce que tout ce qu'on dit de Jésus, eh bien, doit pouvoir se dire de la personne divine qui fait que Jésus existe. Vous voyez? Hein? Voilà. Et ça, c'est très beau parce que ça nous montre combien vraiment Dieu est proche de nous. Hein. Vraiment, Dieu est proche de nous. Il n'est pas dans les nuages, en train de regarder d'en haut, là. Oh là là, ils n'ont pas l'air d'aller bien en bas, là. Vous voyez, il a vécu, enfin, on peut dire que Dieu a pleinement vécu ce qui fait notre vie humaine. Hein. Voilà. Donc, une seule personne, celle du Fils, mais deux natures, une nature humaine et une nature divine. Voilà. Et donc Jésus qui est pleinement Dieu, vrai Dieu depuis toujours dans la Trinité, et il a commencé à être homme le jour de l'Annonciation à Marie, et il continue, hein, à assumer cette humanité
jusqu'à présent. Alors, encore d'autres choses que l'on peut dire, justement, sur l'humanité de Jésus. Vous voyez, quand on souligne le fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais qu'il n'y a pourtant qu'une seule personne qui est la personne du Verbe incarné, on pourrait se dire, bon, ben, l'humanité de Jésus, c'est quelque chose d'un peu léger, quoi. Hein, voilà, quelle est un peu la consistance de cette humanité. Eh bien, en fait, différents conciles ont continué à réfléchir à cela, hein, et en particulier le concile de Chalcédoine en 451, et puis encore après un deuxième concile de Constantinople en 553. Quelle est l'idée ? Eh bien, c'est de dire que l'humanité de Jésus est une humanité complète. C'est-à-dire que Jésus, il a un corps humain, ok, bon, ça, très bien, mais il a aussi une âme humaine, c'est-à-dire qu'il a une mémoire, une intelligence, une volonté humaine. Hein ? Pour le dire autrement, Jésus, c'est pas Dieu qui a juste pris un corps. Et le corps serait juste un pantin du Verbe divin. Non, c'est une humanité que assume Dieu, et c'est une humanité complète, donc avec un corps, mais aussi avec une âme. Ça veut dire que Jésus, eh bien, il grandit dans son intelligence, dans sa volonté, dans sa mémoire. Ça veut dire que Jésus, petit bébé, eh bien, il ne savait pas parler, et qu'il a appris à parler comme homme. Hein, Jésus a joué, Jésus, voyez. Alors, est-ce qu'il y a eu des miracles quand il était enfant? Vous voyez, dans la Bible, on ne nous en rapporte pas. Hein, et même plutôt au contraire, quand Hérode veut massacrer tous les bébés qui sont à Bethléem, il n'y a pas Jésus qui se dresse dans son berceau pour dire « arrière Satan et repartez chez vous ». Vous voyez, hein, il fuit en Égypte, porté par ses parents, se laissant conduire, voilà, comme ça. Hein. Donc, Jésus grandit dans son humanité, parce que c'est une vraie humanité, il apprend des choses. Il apprend à parler, il apprend à lire, à écrire, vous voyez, il apprend peut-être même à prier, hein, voilà, comme homme, vous voyez, sa maman lui apprend à prier. Donc, une vraie humanité, avec une vraie mémoire, une vraie intelligence, une vraie volonté. Jésus a sa volonté comme homme. Et il a aussi une volonté comme Dieu. Le truc, c'est que les deux, même si elles sont distinctes, elles fonctionnent toujours ensemble. Une grande illustration de cela, c'est l'agonie de Jésus à Gethsémani. Vous savez, c'est ce passage où l'on dit, alors je vais penser l'avoir là, mais voilà, c'est Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Donc, vous voyez là, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dit ça dans son humanité souffrante à l'agonie. Ce que tu veux, il s'adresse au Père. On a vu la dernière fois qu'il n'y a qu'une seule volonté en Dieu. Hein, donc la volonté du Père, c'est la volonté du Verbe. Donc il y a là deux volontés qui sont bien manifestées dans leur distinction, mais en même temps, il est bien souligné dans ce passage-là que les deux vont toujours ensemble, marchent de concert. Hein. Jésus comme homme veut toujours ce que veut le Père. Jésus comme homme veut toujours ce que Dieu veut, que la Trinité veut. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, on en dira peut-être un mot, enfin un peu plus la semaine prochaine, c'est aussi une façon qui permet de... Enfin, disons que c'est aussi quelque chose qui manifeste que Jésus nous sauve. Parce que nous, quel est notre problème ? C'est que nous sommes pécheurs, et donc concrètement, c'est que notre volonté n'est pas toujours en accord avec la volonté du Père. Et le salut, ben, c'est justement de nouveau
d'être accroché à Dieu, qu'il n'y ait plus de fossé entre l'homme et Dieu. Et donc, il faut que la volonté humaine corresponde toujours à la volonté divine. Donc Jésus, dans son humanité, en voulant toujours ce que Dieu veut, eh bien, il nous permet, nous aussi, d'entrer dans cette union avec Dieu. Et donc, il nous sauve par là. Voyez, le fait que Jésus ait une vraie volonté humaine et que cette volonté humaine soit en accord avec celle du Père, eh bien, ça nous permet, nous aussi, d'être de nouveau en communion avec la volonté du Père, et c'est ce qui nous permet de profiter du salut. Voilà. Donc Jésus, vous voyez, il a une vraie humanité, un vrai corps évidemment, mais aussi une âme humaine avec mémoire, intelligence, volonté, et tout ça toujours tourné vers le Seigneur. Après, Jésus comme homme, évidemment, sait qu'il est Dieu. Hein, ne serait-ce que les passages que je vous ai cités l'attestent. Hein. Donc il y a une connexion très profonde entre son humanité et sa divinité. C'est donc justement le concile de Chalcédoine qui souligne le fait que il y a vraiment une unité entre l'humanité et la divinité de Jésus, hein, qu'il y a une distinction, mais une union, hein, sans confusion, sans mélange. C'est pas mélangé l'humanité et la divinité de Jésus, c'est bien distinct, mais c'est inséparablement uni. Voilà, donc l'union des deux volontés, voilà, ces deux natures, ces deux volontés qui agissent toujours de concert, hein, et c'est aussi comme cela que le Seigneur nous sauve. Alors, vous voyez, si on rassemble un peu les différentes choses qu'on a essayé de voir ensemble. Jésus est Dieu, depuis toujours, dans la Trinité, c'est le Verbe, hein, la deuxième personne de la Trinité, et il va entrer dans le temps, il va assumer une humanité. Cette humanité, elle n'a pas toujours existé, mais voilà, elle a commencé le jour de l'Annonciation, c'est une vraie humanité, Jésus est pleinement homme, il ne lui manque rien, un vrai corps, une vraie âme, et en même temps, cette humanité est toujours en dépendance, hein, de la divinité, du Verbe de Dieu, puisqu'il n'y a qu'une seule personne, hein, Jésus, c'est la personne divine du Verbe. Voilà. Et Jésus, dans son humanité, eh bien, veut toujours ce que le Père veut, et c'est ainsi qu'il nous rapproche du Seigneur, c'est ainsi qu'il nous sauve. Jésus, donc, n'est pas juste un super-homme, hein, c'est un vrai Dieu. Ça, c'est contre l'arianisme. Jésus n'est pas un truc un peu étrange en deux parties, ça serait le nestorianisme, non. Il y a une vraie unité et une unité de personne. Et Jésus a bien une vraie nature humaine, une vraie humanité. Hein, ça, c'est... voilà, il y avait un courant qu'on appelait le monophysisme pour dire que, ben, en fait, Jésus, c'était juste un corps, une enveloppe extérieure pour mettre le Verbe qui serait son âme, qui serait un peu tout en lui. Mais non, Jésus est pleinement homme. Alors que ce mystère qui nous dépasse, eh bien, nous soit profitable pour notre prière, pour adorer toujours plus le Seigneur qui nous aime jusqu'à se faire l'un de nous, et pas seulement l'un de nous, mais l'un de nous qui souffre, qui meurt et qui va ressusciter pour notre salut. C'est ce que nous allons fêter bientôt. Une dernière chose, et puis je m'arrêterai avec ce point. Le fait que Dieu se soit fait homme nous permet de représenter Jésus, de représenter Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait cet interdit de toute représentation, parce qu'on avait peur qu'une représentation puisse servir de support à l'idolatrie. Hein, et comme tous les peuples aux alentours adoraient, ben, soit des animaux, soit tel ou tel dieu dont on faisait des statues, eh bien, il y avait cette interdiction complète de représenter quoi que ce soit qui puisse être vu comme une divinité. Eh bien, Dieu a un visage en Jésus. Dieu a un visage en Jésus. Nous pouvons voir Dieu
Hein, ses contemporains ont vu Dieu en voyant Jésus. Et ça, c'est assez merveilleux. Vous voyez, c'est ce qui nous permet de le représenter. C'est ce qui nous permet aussi, du coup, de pouvoir représenter la Vierge Marie ou les saints sans crainte. Hein, si on peut représenter Dieu, voilà, les autres, on peut aussi les représenter. Ils sont comme les supports de notre prière. Nous n'adorons pas une image, mais quelque chose qui nous met en contact avec Dieu. De même que l'humanité de Jésus, ben, qui est une vraie humanité, comme elle est inséparable de Dieu, elle nous conduit au Père. Hein, Jésus nous conduit au Père. Jésus est le médiateur, hein, celui qui nous donne accès auprès du Père. Avec Jésus, nous voyons Dieu. Alors, pour terminer, eh bien, je vous propose que nous nous confions à la Vierge Marie, elle qui est la mère de Dieu, puisqu'elle est la mère de Jésus, et que Jésus est vrai Dieu. Elle l'a bien connu, eh bien, qu'elle nous aide à le connaître pour l'aimer toujours davantage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention, et à la semaine prochaine pour continuer à contempler Jésus, et cette fois-ci un peu moins dans le mystère de l'incarnation, mais plutôt dans le mystère de la rédemption, Jésus qui nous sauve. Merci, bon après-midi.